Et re à tous. Petit souci avec le live. Il y a OBS en fait qui a planté. J'ai dû redémarrer l'ordi. Bah, du coup, on a fait donc les fenêtres, on a mis la porte. Donc, on va voir à l'intérieur. Donc, j'ai tout cassé. On va voir comment on peut tout mettre. Je vais déjà mettre un sol aussi qui soit un peu plus joli. Thank you.
Voilà, comme ça déjà, je veux dire, on a tous les murs de fait. Et puis, pourquoi là, il y a la fenêtre qui est partie? Pourquoi la fenêtre, elle est partie? Ah, ok, c'est bon. C'est parfait. Donc là, de toute façon, on va essayer de faire une petite entrée sas. Et puis ici, je vais faire la cuisine. On va faire une cuisine moderne. Je vais utiliser les nouveaux plans de travail. On peut pas faire une cuisine trop immense non plus parce que je veux dire c'est pas c'est juste c'est un mobil-home quoi, c'est censé être un mobil-home quoi, pas Je vais juste replacer là ces bouteilles. Comme ça, on n'oublie pas de les reprendre. On va mettre un frigo. On va mettre un frigo. On va mettre une cuisinière.
Maintenant, qu'est-ce qui nous manque encore? Il nous manque encore le détecteur de fumée. Je vais juste le mettre beaucoup plus haut en fait. Ok. Je vais rajouter encore les meubles là. Ouais, non, je peux pas en mettre deux, j'en mets que un. Par contre, là on pourrait mettre un deuxième meuble en fait. On va mettre deux meubles ici, ça marche aussi. Ok. Je vais encore rajouter un meuble bas. Par contre, je voudrais la fin en fait là du meuble qui est ici. Voilà. Super. Un peu éclairé là. Donc là on a la cuisine. Moi il faut que je fasse des chambres encore. Oh là là, je fais des cuisines beaucoup trop grandes en fait. Donc là derrière il faudrait que je fasse des chambres. Il faut vraiment que je fasse des chambres, sinon je vais jamais y arriver. Mettre des portes comme ça. Pour les deux chambres. Non, j'aurais pas dû faire ça comme ça en fait, j'aurais dû faire là un petit couloir. Je vais faire comme ça, je vais ramener mes portes à cet endroit-là, voilà. Ici, je vais couper. Voilà, non, mais ça je peux pas. Oh, mais non, je peux pas faire comme ça. Oh punaise. Alors je fais ça comme ça. Ça va être une vraie galère. Pour moi, ça va être beaucoup trop petit pour arriver à remplir. Un
sensible, flouze le lit, waouh. Si on pas donné les liens, n'empêche. J'aurais pas dû mettre ma cuisine là, en fait, j'aurais dû mettre ma cuisine à l'entrée. Oh là là, bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va faire ça différemment, en fait. On va fermer ici le même, là. On va pas laisser tomber celui-là. On va faire différemment du coup, mais c'est pas grave. Hop. Je vais mettre ça ici en fait. On va simplement tout déplacer. Je vais simplement essayer de tout déplacer. Là, j'avais un mur devant. Comme dit, sinon on n'y arrive pas. Sinon on va jamais y arriver là. Mon four, j'ai besoin. Là, faut que je fasse ça comme ça en fait, et on refait de nouveau un meuble de coin. Ah ouais, il me faut l'autre coin en fait. Il me faut ce coin ici pour terminer. Voilà, et comme ça
Ça, je peux mettre de ce côté. Ah, c'est pas facile, hein. Franchement, c'est une vraie galère, les petites maisons. Faire tout différemment, là. Récupérer là les fameuses bouteilles. Qu'est-ce que j'ai fait avec la cafetière et tout, hein. Elle est partie où la cafetière? Ok. Je peux même pas mettre ça, mais non, il faut aussi que je mette un meuble d'entrée. Et oui. Il faut aussi que je mette un meuble à l'entrée, moi. Ah, les petites maisons, c'est vraiment pas mon truc, hein. Est-ce que si je prends un meuble comme ça, je peux rajouter des chaussures? Ça, je ne sais pas. Là, sinon, j'ai ma console. Est-ce que je peux rajouter... Déjà, il faut que je change la couleur. Faut qu'on reste dans les mêmes tons que... Dans les mêmes tons que la cuisine.
Parce que je cherchais les chaussures. Donc effectivement, on peut les mettre. Donc ça, heureusement. Et on les met dans l'autre sens. Pourquoi on ne peut pas les mettre dans l'autre sens? Ok, donc ça c'est bon.
pour après mettre encore deux, trois, quelques briques là-dessus à la cuisine. Mais je veux dire, c'est juste comme ça, on voit déjà un peu plus clair. Déjà ce qu'on veut faire. Donc là, maintenant, là, je vais changer mon mur. Déjà là, comme ça, moi, je peux faire... je peux peut-être agrandir cette chambre pour faire la chambre bébé. Dans la chambre bébé, il faut que je fasse la salle de bain. Salle de bain avec baignoire. Et puis WC. Je vais faire ça donc comme ça. Je vais mettre le petit berceau et tout. Je vais encore mettre ici. Il nous faut des toilettes, une baignoire et tout ça, tout ça. $2100, c'est beaucoup trop cher. On va prendre celle-ci qui est très bien. On va prendre cette baignoire là. Une toilette séparée. On fera une toilette séparée de 250, 365. On va prendre ceux-là, ils vont suffire. Là, je vais fermer. Hop, là, on ferme. Est-ce qu'il fallait que je fasse un lavabo aussi dedans? Pas spécialement. Ah, je vais fermer. On va faire des meubles hauts. Alors par contre, la couleur, c'est pas la même. C'est un petit peu dommage qu'on n'a pas les mêmes couleurs.
Coucou Jean Bonneau, comment ça va? Je vais regarder une fois ce que je trouve comme autre meuble que je peux mettre peut-être en dessous. Qu'est-ce qu'on peut mettre? J'avais vu un meuble tout à l'heure qui serait bien allé, mais je crois que c'était une table basse. Hein. Ouais, mais au final, c'est pas grave si c'est une table basse. Je sais pas, attends, il faut que je regarde une fois. Est-ce que ça dé... Ouais, bah, ça va dépasser si moi je le mets contre, en fait. À mon avis, ça va dépasser si moi je fais ça comme ça. Ouais, ça dépasse de l'autre côté, ouais, effectivement. Oh, dommage. Ça aurait été pas mal ça. Et je suis pas... Ouais, ça pareil, ça dépasse. Mince. Qu'est-ce qu'on leur met comme miroir? Comment tu vas, Jean Bonneau?
J'aime beaucoup ce meuble, je vais le mettre. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couleur? Ça irait aussi bien. C'est joli. Non, ça dépasse pas, donc ça c'est parfait. J'aurais bien aimé mettre la machine à laver aussi. Je sais pas où on la trouve. Électroménager ou électronique. Par contre, cette machine à laver, on la mettrait où? On la mettrait limite à la cuisine, hein, je vais te dire. Du coup, on va la mettre ici. On va la mettre ici, à quelque part, notre machine à laver. Je vais pousser ça un petit peu. Et normalement, là, ça rentre. Voilà. Déco. Hey, coucou Colette, t'as changé de nom du coup, c'est quoi Telok? Telok 94. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ça, j'arriverai jamais à le retenir que maintenant c'est Telok. Oh là là. Je pense que tu vas devoir me le répéter de temps en temps que c'est toi, parce que là, du coup, je sais pas si je vais m'en souvenir. Parce que là, ça ressemble pas du tout. Alors, du coup, je suis en train de... Ah, ben si, j'ai compris, c'est collé à l'envers. Hey, j'ai compris. C'est ton nom à l'envers. C'est bon, c'est bon. C'est bon, je m'en souviendrai. Ok. C'est bon. J'ai trouvé le truc. Et merci pour ton follow, Uncat. Comment vas-tu? Bienvenue. Alors, va falloir que je déplace pour arriver à mettre le meuble avec le savon. Je vais le mettre comme ça devrait, ouais, un peu plus en arrière encore. Voilà, c'est bon, impeccable. Là, maintenant, je vais mettre encore une serviette. Là, les serviettes. Une petite serviette pas trop chère parce que là je crois qu'on va exploser le budget. En fait, on est à combien? Ah, oh, ça va, 26 000. On a 50 000. Bon, après l'extérieur pas encore fait, hein. Bon, là l'extérieur, en fait c'est vrai que si je mets que des deux bagues, je devrais m'en sortir. Ça va. Donc là, on va mettre une serviette. On va mettre peut-être une teinte bleutée. Après le mur, j'ai mis cette couleur simplement pour me faire un mur, hein, ça va pas rester, hein.
cette couleur, ça fait plus discret quand même. Je vais mettre ça. Comme ça, donc du coup, on a quand même une assez grande cuisine, mais on a quand même tout placé. Maintenant, je vais mettre la table au milieu. La petite table. Donc, pour les kiss et le petit bébé de bijoux. Pas que j'oublie aussi le siège pour l'enfant. Et si on mettait cette table, ça devrait aller. Je sais pas, je pense qu'on peut mettre le siège bébé sur un coin, ça devrait marcher. Déjà on a le kit, autant l'utiliser. Ah, par contre, j'adore ces chaises. Par contre, maintenant trouver une teinte qui peut aller, parce que ça c'est du blanc. Ouais, mais non, ça marche pas. J'ai pas un sort de gris comme ça. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. On va rester dans les teintes qu'on a choisies. Et puis c'est tout. On fera une autre maison une fois avec l'autre kit. Je suis tout aussi embêtée là. Mais c'est quoi ces couleurs? Là, on a de nouveau du blanc. J'ai encore pas de gris. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, que j'ai jamais compris chez les Sims. On a toujours des couleurs qui sont différentes. Il n'y a rien qui va ensemble. Ça y est, c'était ma minute du râle. Je sais pas. Ça me convient pas du tout en fait. Ça va pas du tout ensemble. Parce que là il y a du brun sur les chaises. On a une cuisine qui est grise. On va prendre d'autres chaises. Ça me convient pas du tout. Je vais prendre celle-là, tiens. Non, elles sont pas grises non plus. Ah bah voilà. Là j'ai du gris. Très bien. Allez. On y arrive, même si ça va pas ensemble, ça fait rien. C'est bon. Par contre, il me faut la chaise haute. Donc j'en ai une là. J'en ai une ici. Par contre, je ne sais pas du tout, est-ce que c'est une fille ou un garçon, le bébé ? Je sais rien du tout. Donc on va prendre un truc mixte. On va prendre un truc mixte comme ça. Comme ça, il n'y a aucun problème. Voilà, comme ça, on n'a pas oublié le principal. Et un truc qu'on a oublié, on n'a pas fait de salon. Hein. Parce que j'ai une immense cuisine maintenant, mais avec tout ça, et mon salon, il est où? Je l'ai oublié. Donc du coup, à la rigueur, soit je mets je vais mettre le canapé ici, je vais mettre la télé là au mur. Un truc pas trop grand.
Ça suffit pour deux personnes, ça comme canapé? Non, ça c'est que une personne. C'est un truc pour une seule personne. Je vais mettre ça comme ça en fait et je vais mettre la télé là. C'est un pur ricrac. Je suis pas convaincue de la couleur en fait. À mon avis, la table va être beaucoup trop grande, donc ça va jamais y aller non plus. J'ai mal calculé mon truc. J'ai vraiment mal calculé mon truc là. Ok, nickel. Alors ça c'est top. On a une télé qu'on peut mettre au mur. Donc là on est tranquille. Si on met un truc comme ça, là c'est impeccable. Et puis on peut même mettre une petite table en dessous. Mais un truc juste de un carreau il me faudrait. Ça c'est quoi, meuble à bibelot? Attends, on va voir un truc qui est quand même assez joli. On a dit qu'on doit rester dans le moderne. Attends, on a une belle table, nous, qui est trop belle. Mérillion, miroir de voyance. Non, mais je vais pas utiliser un miroir de voyance. C'est juste pas possible. Guéridon de Moschino. Je ne suis pas convaincue. On va mettre plutôt un truc qui est utile en fait, parce que ça, en même temps, ça fait bibliothèque. On va mettre un truc comme ça. J'espère que c'est une vraie bibliothèque. Hein. Je crois que je vais encore mettre des livres au-dessus au cas où. Ça je vais mettre aussi pour le petit, je vais mettre un truc comme ça là. Je trouve un endroit, je vais mettre ça comme ça, je sais pas trop encore exactement. On va mettre le lit et tout. Non, ça je vais pas mettre ce truc. Faut que je mette le petit lit, faut que je mette la table allongée. Là, il faut que je mette une... Je sais pas si on y arrive à mettre une armoire. Je sais pas si on arrive à mettre une armoire. Parce que ça, c'est trop large, mais par contre... Je sais pas. Ça me paraît immense en fait comme meuble. Ça me paraît franchement immense comme meuble.
pu mettre ça aussi. Bon, c'est pas grave, on va mettre ça, ça devrait aller comme meuble. Et puis on va juste lui changer sa couleur. Il a le lit de quelle couleur? Il est noir. Donc on va lui mettre un meuble un peu plus foncé. Une table de nuit, ce serait pas mal aussi. Ça, on a donc simplement une chambre avec une armoire et puis la table de nuit pour Kimberley. Pour bijoux, on a un lit. Faut que je lui mette aussi une table de nuit. Je vais prendre ça. Ok. Donc là, il faut que je regarde une fois ce que je peux faire avec ces meubles là. Il faut que je mette le petit lit du bébé de bijoux plus une table allongée ou quelque chose. Il faudrait que je regarde une fois si j'arrive à faire avec ce meuble là. Essayer de faire une table allongée. Ça, c'était plutôt pour le bébé. Ouais. Ben, ça me plaît pas ça. Je vais enlever ça, je vais mettre autre chose. Ouais, la table qui va avec normalement. Là, en violet, rose ou en violet. Ouais, comme ça, non, là, comme ça, il y a tout qui va ensemble. Là, au fond, je vais mettre une plante. Ça, je vais mettre ici, juste pour que ça dérange pas, pour qu'elle arrive à passer. Ça, je vais mettre contre. Et donc là, on va mettre le petit lit. Donc, sont où les couffins? Ah oui. Comme ça, mais comme dit, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est, un garçon, une fille, bébé. Donc là, je suis un petit peu embêtée. Je vais me mettre là de ce côté et je vais mettre un pot. Je vais le mettre en bleu. Après, peu importe.
j'aurais pu prendre ce violet. Est-ce qu'il existe ce violet? Ça aurait été encore bien plus joli. Oh purée. Ça, c'est pas mal. De prendre carrément un violet qui ressemble beaucoup. Hop, voilà. Hop. Nickel. Ça, ça fait vraiment... On a rajouté quand même un peu de tapisserie, un peu enfant pour le petit. Mais la maman, elle a quand même une tapisserie un peu plus adulte. Donc là, je vais prendre une plante. Bien aimé faire un comme une table allongée. Où est-ce qu'ils sont les coussins? Je sais qu'on a des sortes de coussins. À un moment, c'est là-dedans. Où est-ce qu'ils sont? Mince. Où est-ce qu'ils sont? C'est là, voilà. C'est ça, et maintenant moi je vais le prendre comme une je vais le prendre en blanc et je vais les remonter comme ça et faire comme une table allongée. Hop. Je vais faire un peu comme une table allongée au-dessus. Hop là, je vais aller beaucoup trop haut. Non. Zut. Zut, zut, zut. Voilà, juste un cran en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à côté pour faire genre, c'est les trucs du bébé? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Si on prend juste le savon par exemple, si je le rétrécis d'un cran, ça, ça peut aussi marcher. Je pourrais encore prendre qui fait produit. Je regarde ça dans le Divogue. Les parapluies, j'aurais pu les mettre dans l'entrée aussi. Ça a l'air
pense que c'est bon. Il faut juste que je trouve encore des trucs à rajouter. Mais comme ça, on a plus ou moins nos chambres pour les trois. Pour les trois personnes, on a tiens, ça c'est ajouté. Faut que je mette le bordel là derrière pour la cuisine. Donc ça, je vais mettre là au mur. Ah, il est parti où avec mon truc? Non, pourquoi ils sont tellement grands ces cubes? On en avait donc des petits. Ah ouais, c'est les trucs du cinéma, ceux-là en fait, faut pas que je les prenne. Je prenne celui-là.
cette fenêtre, en fait, je vais carrément la supprimer. Je vais garder que celles-là, là, qui sont là. Je vais juste les mettre un petit peu différemment. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme carrelage à la cuisine?
vraiment commencer du début. Il faut que je mette des sous là aussi. Le code pour 1000, c'est catching. Combien j'ai dit avant? 34, hein. 34. Je vais mettre 10 000 là. Tant pis, on pourra pas mettre de bureau non plus. Qu'est-ce que je pourrais faire là aussi comme petit range bordel? Qu'est-ce que je pourrais faire ici comme truc pour ranger des bordels? De sol ou arrondi avec ouverture. On peut mettre des trucs aussi dedans, mais voilà, je ne sais pas quoi. Pour des murs intérieur et extérieur moderne. Je vais mettre un truc comme ça à l'arrière. Est-ce que j'ai mis les serviettes? Ouais, j'ai mis les serviettes. Donc ça, c'est fait. J'ai cru que j'avais oublié.
J'ai pas de poubelle non plus, ni de panier à linge. Ça, je suis sûre que ça va pas en dessous. Ah non. Ça aurait été trop bien, quoi. Du coup, je vais mettre le panier à linge, je vais le mettre ici.
pas convaincue par cette porte d'entrée en fait. Je suis pas convaincue par ma porte d'entrée. Au final, on me plaisait peut-être presque mieux l'autre d'avant, quoi. Ouais. Ouais, elle me plaît même mieux celle-là, quand même, finalement. Ouais. Voilà, je crois qu'on a partout mis de la lumière. Je vais juste mettre plus au milieu. Ouais, donc là, on en a partout. Donc ça, c'est parfait aussi.
J'arrive pas à le faire exactement pile poil où je voudrais. Ça c'est très con. Et sinon je fais un truc comme ça. On fait simplement un truc comme ça. Hop. On arrive à la rassurer lui un petit peu, ouais, super. Comme ça, on peut faire que c'est vraiment la partie du bas en fait qui est bien au milieu. Voilà. Par contre, il faut à nouveau l'assurer lui. Punaise, et à chaque fois il faut la rassurer lui. Ouais. Aucun incompatible.
Qu'est-ce qui est Tigrou?
va s'arrêter là pour le live de ce soir. Je remercie ceux qui ont été présents et merci